Et puis c'est pas grave. Alors, Alors, on fait une petite conversation et ensuite tu la mets à la suite du. est-ce que ça marche? Alors, je ne sais pas si J'ai j'arrive à écrit la lancer. réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Ok. Bon, bah, très bien, nous sommes en direct alors. Nous sommes en direct. Allons-y. C'est une grande première pour moi, donc je vais essayer de faire ça. Donc, je pense que pour l'instant, on est un peu tout seul. Il y a peut-être ma mère qui regarde, mais parce que je n'ai pas promis, justement, je voulais tester. Mais l'idée, donc, c'est bah, t'es le premier à faire ça, mais ça fait, je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire après l'interview, de donner la possibilité à ceux qui ont écouté de revenir avec des questions par rapport à ce qu'ils ont pu, à ce qu'ils ont pu écouter, ce que ça leur a fait. Et donc, on fait une espèce de deuxième session pour aller un peu plus en profondeur sur certains points qui m'ont été remontés par la communauté, par les auditeurs, tout ça, quoi. Alors, donc je vais prendre. Et puis, il y aura possibilité, si j'arrive à. Alors, attends, un petit problème. Faut que je retrouve mes questions qui vont arriver. Ok. Donc oui, il y avait. Alors attends, il faut que je regarde comment ça marche sur Facebook. Est-ce que il y a des gens qui sont en direct? Je vais regarder ça tout de suite. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des questions qui sont posées en direct? Ok. Alors, il y a une première question. J'ai reformulé certaines questions, hein, mais en gros, c'est. Tu verras, c'est dans l'idée, c'est vraiment ce qui m'a été adressé. Et voilà. Alors, la première question, c'était pour te citer. Donc, dans notre interview, tu as dit, et puis c'est quelque chose que tu as répété plusieurs fois, la culture, c'est l'ensemble des dispositions ta définition de la culture, c'est l'ensemble des dispositions qu'un groupe d'humains a imaginées pour relever les défis de son histoire. Donc, ça dit que tous les éléments culturels découlent d'un contexte et de la manière dont un groupe d'humains a décidé à un moment donné de son histoire de répondre à ce contexte. Donc, dans toute tradition, on retrouve à l'origine une forme de logique et de rationalité. Et c'est finalement ce constat de rationalité, du fait qu'on est tous, qui, d'après toi, doit nous aider à nous rapprocher, à nous comprendre, puisque en prenant du recul, finalement, on se rend compte que les croyances ou les comportements de l'autre ne sont pas moins rationnels ou plus rationnels que les miens. Et qu'ils ont une raison d'être. Question, c'était comment faire quand malgré tout, au final, je n'accepte pas le point de vue de l'autre et qu'un compromis ne semble pas possible, même quand même, je comprendrais les bons. Donc, est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement des cultures dont certains aspects entre eux ne sont pas compatibles? C'est évidemment un sujet absolument fondamental, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend acte du fait qu'on n'admet pas le comportement de l'autre? Ça, c'est possible, bien sûr, ça arrive tout le temps et sans arrêt, les hommes sont confrontés à leur impossibilité de concevoir logiquement la culture et les réponses de l'autre. Bon, simplement, après, il y a que deux hypothèses. Soit on continue comme maintenant et on va de force essayer de le faire changer. Ça a porté un nom dans le temps, ça s'appelait la colonisation, ça s'appelait l'esclavage, qui étaient des formes de réponse à cette question-là. Je ne comprends pas du tout ce qu'il fait, ce qu'il fait, je ne l'admets pas et je vais le faire changer. Donc, tous les mécanismes de domination de l'un sur l'autre sont une des réponses que l'homme apporte devant une incapacité à comprendre l'autre. Alors, c'est la raison pour laquelle les migrants qui arrivaient d'Europe ont supprimé la quasi-totalité des populations indiennes dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis. C'était une réponse. Je n'admets pas ce qu'ils font était rationnel, je les supprime. Bon, c'était la réponse que la France a envisagé un moment d'apporter en Algérie, puisqu'en 1848, il y avait un débat à l'Assemblée nationale française autour d'une question, c'est une question officielle posée à l'Assemblée nationale de 1848. Comment exterminer les Arabes de la régence d'Alger? Bon, donc voilà, réponse, on ne comprend pas, on n'admet pas ce point de vue, donc on les supprime. C'est hélas une des réponses que l'homme a apportées au cours de l'histoire. Mais il semblerait qu'aujourd'hui, on puisse envisager une autre. L'autre, qui, d'après moi, peut se passer en deux hypothèses. La première, c'est essayons de comprendre d'abord exactement où est cette rationalité? Deux, est-ce qu'elle est toujours légitime dans le contexte actuel? Bon. Et ça va donc mettre en place un système où on va
éventuellement accélérer l'adaptation au nouveau contexte. Et en disant ça, je dis à la fois ce qui est souhaitable, mais je dis en même temps la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure où je parle. Notre contexte est en train de changer radicalement depuis un an, radicalement. Il nous faut modifier notre culture radicalement. Bon, et l'autre aussi, on est tous confrontés à ce problème-là. Donc ça, ensuite, c'est la réponse, c'est l'accélération de l'évolution des groupes sociaux pour qu'ils collent au mieux à leur contexte. Est-ce que nous pouvons nous aider les uns les autres à accélérer cette évolution? Je crois que oui, et je crois d'autant plus que oui, qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faudra accélérer. Donc voilà, il n'y a que deux hypothèses si vraiment on refuse de rentrer dans l'autre, de rentrer dans la logique de l'autre et de considérer que son comportement est de toute façon, même s'il est logique, complètement inadmissible, c'est soit la guerre, d'une façon ou d'une autre, sous des formes diverses, pour supprimer l'autre, et on voit bien que ça a lieu tout le temps, soit au contraire, une mise en commun des interrogations que nous avons l'un et l'autre, mais encore une fois, c'est l'un et l'autre, pour essayer tous les deux de vérifier qu'on colle au mieux au contexte dans lequel on vit. Là où ça ne marchera de toute façon pas, c'est si je considère que l'autre a quelque chose qui est inadmissible, mais que je ne me remets pas en cause moi. C'est-à-dire si je continue à penser que je suis la norme de toute chose, là, il n'y a pas de dialogue possible. Par contre, si je suis prêt à dire « je n'admets pas ce qu'il fait l'autre, c'est vraiment intolérable », et qu'est-ce qui, chez moi, est intolérable pour lui ? Et à ce moment-là, on se remet tous les deux de part et d'autre de la table, et on construit éventuellement un désaccord, c'est possible, mais qu'il soit construit, qu'il soit pacifique, et qu'il soit symétrique. Et là, j'allais dire, c'est ce que nous sommes à l'heure actuelle contraints de faire. La guerre ou, au contraire, la construction de désaccords pacifiques. Et là, si tu veux quelqu'un sur la construction des désaccords, je suppose qu'il faut aller voir du côté de Patrick Livret qui te dira des choses mieux que moi sur ce que c'est que la construction des désaccords pacifiques, qui sont évidemment un outil de dialogue absolument essentiel. On ne demande pas à tout le monde d'être d'accord, on demande la construction des désaccords pacifiques. Patrick, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu. Il y avait plusieurs questions en fait, qui étaient autour de ça. Donc, tu as en partie répondu, mais je pense que ça nuance aussi. Pareil, pour te citer, pour expliquer d'où vient cette question, tu as dit dans l'interview, la démographie nous impose de toute façon de nous rapprocher les uns des autres. Oui. Et en même temps, on constate que dans beaucoup d'endroits très densément peuplés, il n'y a pas forcément de rapprochement. Je pense à Israël, Palestine, ou même à l'époque, les grandes migrations en Inde au moment de l'indépendance, où ça s'est mal passé. Est-ce que tu as des exemples où des groupes d'humains de cultures différentes sont parvenus à s'entendre ou à s'intégrer? Et est-ce que ce n'est pas généralement l'intégration d'un groupe d'une culture dans une autre? Là, ce qui intervient, le facteur important, c'est d'abord la vitesse, et puis c'est le recul. C'est-à-dire que sur l'instant, quand deux groupes se trouvent face à face, des tensions, il y en a. Ça, faut pas leurrer, il ne faut pas faire l'angélisme, des tensions, il y en a, parce que au même instant, on a deux visions du monde qui s'affrontent, et on va dire les choses de façon caricaturale. D'un côté, celui qui est dans un contexte qu'il maîtrise depuis longtemps, je dirais dans un autre vocabulaire, celui qui est chez lui, et puis de l'autre, quelqu'un qui vient expulsé de son contexte par des dégradations de situation de façon considérable et poussé par un sentiment de précarité, il a fait le voyage, il est arrivé là. Donc, dans un premier temps, il y a toujours des tensions. Toujours, et là, l'histoire en est pleine de critiques que l'on apporte à celui qui arrive et qui est responsable de tous nos maux. Dans un livre que j'avais commis il y a 23 ans, 24 ans maintenant, je donnais des cas très précis de ce que l'on disait sur l'impossibilité des Italiens de s'insérer dans la culture française. Mais ça joue dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on a des cas aussi tout à fait intéressants qui montrent que les Français qui s'étaient installés en Tunisie ne s'intégreraient jamais non plus. C'est-à-dire, dans l'instant, il y a toujours cette zone d'affrontement-là. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça donne à terme. Alors à terme, une vision d'anthropologue, c'est trois générations. Est-ce que la troisième génération a disparu en tant que particularité ou pas? Quand elle a disparu en tant que particularité, l'affaire est réglée. Mais ça ne veut surtout pas dire
que cette troisième génération a totalement abandonné ces pratiques. Non, elle a même apporté des pratiques qui sont tombées dans la culture locale, qui sont devenues des constituants de la culture locale. Il n'y a pas, j'ai pas d'exemple où il y a pu avoir de migration de population où celle qui arrive n'apporte rien à celle qui reçoit. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Donc à partir du moment où c'est une vague migratoire importante, elle va modifier le centre de gravité de la communauté d'accueil, le mot accueil étant le principe et non pas une vision angélique des choses. Hein. Donc c'est ce qui se passe. Alors ça se passe toujours, plus ou moins vite, plus ou moins longtemps. Tout dépend également de la capacité du groupe d'accueil à reconnaître que celui qui arrive lui apporte quelque chose. Ça, c'est une notion importante. S'il ne le reconnaît jamais, ça va devenir compliqué. S'il le reconnaît implicitement petit à petit, là, ça amène des choses tout à fait intéressantes. Hein. Donc, on a des choses qui sont en route de ce côté-là, mais il faut savoir qu'il y a en général un laps de temps compris entre un demi-siècle et trois quarts de siècle où ça crée des tensions. C'est évident, ça crée des tensions. Quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, il y a eu quelques tensions avec les populations locales. Là, on a été radical, on a supprimé la population locale. Bon, c'est un des rares cas d'ailleurs où ça s'est passé avec l'Australie, où ça s'est passé avec la suppression des populations locales. Partout ailleurs, ça finit par cohabiter plus ou moins bien. Et ce qu'il faut rajouter à cette question-là importante, bien sûr, c'est qu'est-ce que le système éducatif fait pour faciliter cette modification des systèmes culturels. Si le système éducatif le prend en charge, ça se passe très bien. Si le système éducatif continue à dire, il y a une référence, c'est ceux qui sont là de longue date, et puis les autres sont indéfiniment des gens étranges, les gens étranges, c'est ceux qu'on appelle les étrangers, hein. On les considère indéfiniment comme étranges. Alors là, évidemment, on perd du temps et le système d'intégration, le mot évidemment sujet à caution, est retardé un peu. Bon, ça peut rajouter une génération, c'est-à-dire que ça va rajouter 30 ans, ça va rajouter 40 ans, mais à terme, ça se fait toujours. Si je me fais l'avocat du diable, il y a des endroits où ça ne se fait jamais, puisque finalement, ça dépend aussi de la culture du pays d'accueil, entre guillemets. Puisque tu as par exemple des cultures comme, je prends l'exemple de la culture japonaise, qui est complètement hermétique à l'idée d'intégration, dans laquelle on va considérer que quelqu'un qui même parle la langue, qui vit depuis des années, si il est blanc par exemple, ne sera jamais véritablement considéré comme japonais. Et donc, on ne considère pas qu'il puisse y avoir une véritable intégration. Et puis, alors que tu as des pays plus ouverts, comme les États-Unis ou même la France, où on démarre le point de départ n'est pas le même. Et puis, tu as aussi des exemples où ça ne se fait jamais, où finalement, on n'arrive jamais à intégrer les deux, et les deux populations vont toujours vivre séparées. Et ça me fait reboucler sur une autre question aussi par rapport à l'expérience que tu as. Et je la cite, Claire Michalon a beaucoup d'expérience dans les interactions avec d'autres cultures. Combien de temps et quels efforts lui ont été nécessaires pour lui permettre d'en maîtriser les principaux codes et ainsi pouvoir dialoguer? Et en creux, il y a cette idée dont on vient de parler, que pour comprendre l'autre, il faut y travailler. Et derrière, il y a aussi le fait que beaucoup de gens estiment, comme tu as dit, ne pas avoir à faire cet effort avec des gens qui arrivent chez eux, portant une autre culture que la leur. Sous-entendu, comme tu as dit, on était là avant, c'est à eux de s'adapter. Comment tu réponds aussi à ce discours qui est mal majoritaire Alors finalement? évidemment, si on refuse l'autre contre vents et marées, quoi qu'il arrive, on entretient une tension permanente. Et tout. Alors on peut faire le choix de refuser l'autre et de préférer s'installer dans la tension avec l'autre. J'en vois pas l'intérêt, mais évidemment il y a des gens qui le font, des individus qui le font. Les groupes, je suis perplexe. Bon, je veux bien, tu donnes un exemple sur le Japon. Ma connaissance du Japon est insuffisante pour émettre une objection, même si j'ai un cousin qui s'est installé au Japon, il a essayé de revenir en France, il n'est jamais arrivé, et il se sent bien qu'au Japon. Hein. Alors, il donne des cours de français au Japon, et il y est très très heureux. Bon, voilà. Donc, les choses ne peuvent se jouer qu'à l'échelon des générations, encore une fois. Donc, est-ce que vraiment il y a des groupes qui ne peuvent pas? Je reste perplexe. Bien sûr, on peut, encore une fois, on peut décider d'indéfiniment refuser l'autre. C'est une décision
qui apportera une conséquence extrêmement simple, c'est qu'il y aura de la tension et de la violence tout le temps. C'est une option. Et je ne peux pas aller contre parce que je sais qu'elle existe. Et, par contre, la deuxième partie de ta question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Moi, je pense que ça se résume à une chose, une immense curiosité autour de la question pourquoi pense-t-il comme ça? Bon, si on a cette curiosité, et qu'on dit, mais pourquoi pense-t-il comme ça? À mon avis, on arrive toujours à établir un dialogue fécond avec l'autre. Je n'ai pas d'exemple où ça n'ait pas marché quelque part, parce que je regarde l'autre et je l'interroge autour de cette unique chose, mais pourquoi vous pensez comme ça? Alors, évidemment, pour que ça marche, il y a une obligation. C'est qu'il faut d'abord être persuadé qu'il y a une raison. Moi, j'ai été élevé dans un système éducatif où on nous présentait telle ou telle région du monde comme étant, par exemple, le continent de l'irrationnel. Si je commence à regarder l'autre avec le présupposé de l'irrationalité, ma capacité à le comprendre est nulle. Parce que je suis moi-même, je m'auto-définis comme quelqu'un de rationnel et je définis l'autre comme quelqu'un d'irrationnel. À partir de ce moment-là, ma rationalité ne peut pas comprendre l'irrationnel. Je fabrique donc une barrière pour ne jamais comprendre l'autre. Elle se fabrique, cette barrière. Et là, on revient au cas d'avant. Ceux qui disent je ne veux pas faire l'effort, oui. Ben, bien sûr, ça existe. Fabriquez-vous cette barrière, considérez-vous comme le seul être rationnel et l'autre est irrationnel. Je dis simplement que vous allez avoir une vie extrêmement désagréable parce que si dans un premier temps, ça peut se faire entre soi et l'autre venu d'ailleurs, cette même idée ensuite nous gangrène dans le rapport à tout autre. On va tout de suite être persuadé qu'il n'y a qu'une seule rationalité. Et là, c'est l'hypertrophie du discours de la méthode, hein, qui reprend le dessus et qui dit non, il n'y a qu'une seule rationalité, la vôtre, tous les autres sont irrationnels. C'est une vie infernale, au plan individuel déjà, sans parler des effets redoutables sur la collectivité. Donc voilà, pour moi, la question est simple, c'est avez-vous la curiosité de poser la question, pourquoi pensez-vous comme ça à quiconque en face? Dans un premier temps, il faut bien reconnaître qu'en général, il ne peut pas répondre. Bien sûr, parce qu'il va vous dire c'est comme ça chez moi, c'est la tradition, j'ai été élevé comme ça, et on va jeter un voile. Et puis alors après, il faut creuser un peu. Et quand on creuse un peu, on trouve toujours. Mais si vous êtes certain qu'il y a une raison, vous la trouvez. Si vous êtes certain qu'il n'y en a pas, vous ne la trouvez pas. Donc il y a un présupposé initial. Ce qui est intéressant, c'est que là, on parle un peu de problématiques de migration, mais ça s'applique aussi dans les débats d'idées, effectivement. Si on n'est pas capable de voir le point de vue de l'autre, c'est un peu le problème qu'on voit. C'est-à-dire qu'on se croit toujours plus rationnel, mieux informé ou que sais-je que l'autre, Bien et sûr. le dialogue devient impossible. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, pour moi, beaucoup de jeux de couple ne durent pas, hein. La raison n'est pas ailleurs. Si à l'intérieur d'un ménage, on adopte la posture je suis rationnel et l'autre ne l'est pas, entre mari et femme ou entre conjoints, entre copains, tout ce qu'on peut imaginer, ça finit par claquer très vite. Bien sûr. On ne fait pas l'effort de prendre en compte la rationalité de l'autre. C'est une clé essentielle de paix sociale, hein. Et des questions sur l'éducation, tu en as parlé et tu soulignes le fait que, évidemment, c'est un élément clé qui va permettre de favoriser, d'apprendre à dialoguer, de favoriser le dialogue, de favoriser cette curiosité. Alors, je reprends la question telle qu'elle a été formulée. Oui, alors, que faire devant le fiasco de l'éducation nationale qui, notamment, ne parvient pas à favoriser, vraiment à favoriser l'apprentissage du vocabulaire dont tu as parlé, de la langue, moins bien qu'avant, et qui ne favorise pas non plus, de fait, la mixité culturelle dans beaucoup d'endroits. Et je vois qu'il y a un commentaire de quelqu'un qui nous écoute, qui dit, quartier des Isards à Toulouse, certaines classes ont 80% des enfants qui ne parlent pas le français, donc compliqué de parler d'intégration. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème extrêmement délicat à régler. Alors, le fiasco de l'éducation nationale, simplement, évolue moins vite que le contexte global. Donc, elle est formatée selon un schéma qui est, je vais souvent résumer comme ça, hein, j'ai probablement déjà dit, hein, pendant longtemps, l'éducation nationale était conçue comme un système pour la petite bourgeoisie française, et qui excluait les autres par définition parce qu'ils n'étaient pas appelés à diriger. Bon, ça a fonctionné jusque dans les années 60. Hein. C'est-à-dire, j'ai vécu le système de massification où en très peu de temps, il fallait faire passer tout le monde au collège, puis tout le monde au lycée, puis tout le monde devait avoir le bac, etc., etc. Faisant fi du fait que chaque groupe culturel a des capacités de projection dans l'avenir
qui sont indexés sur le niveau de précarité ressenti. Et une fois, c'est une jeune fille qui m'avait bien décrit ça, je lui ai dit, mais comment expliquez-vous que dans votre milieu, dans votre famille, tous les gens qui ont des trajectoires comme les vôtres, les filles réussissent bien leurs études jusqu'au bac, les garçons souvent arrêtent avant, mais après le bac, il y a un déchet fantastique. Elle m'avait dit, mais c'est en fait, c'est très simple. C'est que pour ma famille, le fait qu'un des enfants doit avoir le bac est considéré comme une espèce de finalité. C'est l'Everest, on ne peut pas aller plus loin. Et une fille de la famille a le bac, c'est fantastique, tout est merveilleux, on a fait des sacrifices pour ça, on y est arrivé. Et après, bah après on n'y a pas pensé. On ne savait pas ce qu'il y avait après. La capacité de projection était obscurcie par cette idée, il faut avoir le bac, point, 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 et puis rien d'autre après. Et là, il y a des déchets fondamentaux parce qu'il faudrait, pour que cette massification des études supérieures se fasse, que l'ensemble des familles soient dans des capacités de projection dans l'avenir très grandes pour être capables, dès que les enfants ont 10, 12, 13 ans, de discuter régulièrement avec eux sur qu'est-ce que tu veux faire comme métier, qu'est-ce que tu veux faire après, et que dans l'éducation au sens premier, c'est-à-dire au sein de la famille, on ait une capacité de projection à 10 ou 15 ans. Si on ne l'a pas, eh bien le système il dérape de lui-même. Alors ensuite, il y a ce qu'on a déjà évoqué, mais je ne vais pas y revenir là-dessus, bien sûr, qu'à l'intérieur de l'éducation nationale, je pense qu'il faudrait, le plus rapidement possible, mais pour le moment c'est sans succès, il faudrait arriver à ouvrir les gens vers des échelles de valeurs différentes. Juste que je rajoute quelque chose, comment est-ce qu'on peut permettre à l'éducation nationale d'ouvrir le cerveau des enfants vers des valeurs différentes? Jusqu'à présent, lorsque l'on parle des pays, ils sont toujours classés autour d'un paramètre que moi je résume de façon un peu caricaturale, c'est capacité du pays à produire des objets qui termineront dans une déchetterie. Bon, que ce soit des bagnoles, des frigos, des trucs comme ça. Et à ce titre-là, les États-Unis sont toujours en numéro 1, la Chine en numéro 2, le Japon en numéro 3, l'Allemagne en numéro 4, etc., etc. Et puis à la fin, vous avez le Bénin et la République centrafricaine qui sont en numéro 197. Bon. C'est bien, mais c'est une façon de classer les pays qui va avoir des répercussions très fortes sur les échelles de valeur perçues. Et je suggère de rajouter un truc qui ne coûte pas grand-chose, c'est de faire un autre classement des pays du monde autour d'un autre paramètre qui est capacité à parler la langue de l'autre. En moyenne, dans les pays, les gens parlent combien de langues? Et puis vous classez les pays. Et vous apercevrez de façon absolument sidérante que la pyramide est diamétralement inversée. Vous aurez en numéro 1 probablement le Bénin. C'est un pays où je ne connais pas quelqu'un qui parle moins de 5 langues. 5 langues. Bon. Et puis, les pays qui étaient dans l'autre pyramide tout à fait en tête se trouvent les derniers. C'est des pays dans lesquels les gens ne parlent qu'une seule langue. Bon. Et donc, on s'aperçoit que la capacité à produire des objets qui termineront dans les séries se paye par une absence totale de curiosité envers la langue de l'autre. Maintenant, quel est le paramètre qui joue le plus en faveur de la paix? Est-ce que c'est la capacité à produire des objets en plastique? Ou est-ce que c'est la capacité à parler la langue de l'autre? Et là, on ouvrirait le spectre des enfants très tôt en disant « mais je pourrais peut-être m'intéresser plutôt à cet angle de vue sur le monde et favoriser l'apprentissage des langues et me lancer là-dedans. » Parce qu'être un énième technicien qui appuie sur des boutons d'une machine pour produire des objets en plastique, je ne suis pas sûr que ça favorise la paix dans le monde. Voilà, le type de choses qu'on pourrait mettre en place, et ça ne nécessite pas des moyens colossaux. Hein. Vous faites une petite étude par pays pour savoir combien les gens parlent de langue, et ça peut aller extrêmement vite, et s'apercevoir que la pyramide est diamétralement inversée. Si on présentait les deux en permanence, dans tous les cours d'histoire géo du collège et du lycée, le regard sur l'autre en serait considérablement modifié. Ça ne demande pas de moyens colossaux, mais ça demande un sacré changement de regard sur la manière d'éduquer, et puis sur ce qu'il faut apprendre aux enfants dans un pays, comme sur les valeurs à apprendre, etc. On voit que... Et finalement, il y a plusieurs manières de faire. Moi, je pense à Singapour, qui est un pays très multiculturel, où il y a trois grands groupes ethniques, entre guillemets, qui sont les Malais, les Chinois et les Indiens. Et ça ne tient que parce qu'à l'école, ils apprennent les trois langues, qu'ils apprennent les coutumes et les valeurs des autres. Et ben voilà. D'une autre manière, il y a les États-Unis, pays aussi multiculturel, mais qui décident d'apprendre la valeur américaine, le rêve américain commun à tous, mais par contre, de le marteler. C'est aussi plusieurs manières de faire, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un impensé chez nous. Pour le coup, ça reste encore, comme on en avait parlé, c'est encore le programme Nos ancêtres les Gaulois. Enfin, c'est encore, je ne sais pas d'ailleurs, je dis ça, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas enfant, j'ai allé à l'école, j'ai mis, ça évolue un peu quand même.
Oui, donc il y a effectivement des ouvertures à faire, et celle que je cite là est une ouverture qui ne coûterait pas des fortunes Oui. et qui permettrait simplement, sans le dire, de modifier le rapport à la valeur. Parce que c'est ça l'idée fondamentale. Il faut que les notions de valeur deviennent plus larges et qu'on ait autre chose que de la production de biens. Mais c'est en train de monter. Quand tu regardes un petit peu chez les trentenaires, que la France simplement, chez les trentenaires, le nombre de gens qui ont fait des études scientifiques classiques ou techniques assez C'est pointues vrai. change complètement et se recycle vers tout à fait autre chose dans lequel la part de l'humain est beaucoup plus grande. Ils ne sont pas encore très nombreux, mais ils sont de plus en plus nombreux. Ce nombre augmente très vite. Reconsidérer la richesse. Qu'est-ce qu'est la richesse? C'est évidemment un sujet tout à fait d'actualité. J'ai une dernière question, parce qu'on va essayer de faire plus court qu'une interview sismique classique. Presque une question un peu technique, je pense. Comment est-ce que l'on parvient à défendre ses idées dans un débat sans verser dans le côté donneur de leçons? Donc, en gros, c'est presque technique de dialogue tel que tu l'as Oui. expérimenté de nombreuses fois. Bon, d'abord, on n'est jamais sûr d'y arriver. Il hein. ne faut surtout pas croire qu'il y a une méthode miracle qui permet de marcher à tous les coups. Mais l'une des pratiques qui permet de dialoguer avec quelqu'un qui défend des choses absolument à l'opposé des vôtres, et que je pratique de temps en temps, ce n'est pas un mystère, hein, c'est que j'abonde dans un premier temps dans la dialectique de l'interlocuteur, et je la pousse un cran plus loin jusqu'à ce que mon interlocuteur le dise, ah ben non, là, évidemment, ça n'ira pas. Montrer simplement que la logique finale de ton interlocuteur aboutit à des catastrophes absolument évidentes. Il suffit de le pousser un cran plus loin. On prend exactement le même, on ne le contredit pas, on le pousse un cran plus loin, En et si posant on des a... questions, en fait. Oui, en posant des questions sur jusqu'où tu pousses ta logique. Pour donner un exemple extrêmement simple, hein, que je fais souvent lorsque je tombe sur quelqu'un qui, évidemment, est dans une démarche extrêmement classique de racisme envers les populations noires, pas besoin d'en chercher longtemps, hein, je dessine très rapidement où je prends une carte du monde, et puis je dessine un axe marche de la population qui va de la vallée du Rift en Afrique, qui passe par le Moyen-Orient, qui traverse le détroit du Bosphore et qui, à travers l'Europe, monte jusqu'en Scandinavie. Voilà, ce truc-là. Je dis maintenant aux gens, montrez-moi la frontière entre les Noirs et les Blancs. Et sur cet axe-là, évidemment, ils ne la trouveront pas. Parce que tout ça est une évolution très progressive, et il n'y a pas d'un côté les Noirs, de l'autre les Blancs. Même ça, qui est la caricature, ça n'a absolument aucun sens scientifique. Donc, il n'y a pas de frontière entre les deux. À partir du moment où il n'y a pas de frontière entre les deux, on peut de nouveau discuter. Mais il s'agit simplement de sortir des caricatures en les poussant jusqu'au bout pour montrer à quel point elles sont scientifiquement infondées. Alors, ça donne la situation, évidemment, parfois amusante. Je me suis souvent amusé avec ces choses-là, hein. Le gars est dans l'incapacité, son stylo, et il ne sait pas où mettre la frontière entre les noirs et les blancs. Bien sûr, il n'y en a pas de frontière. Vous risquez pas de la trouver. Faire bouger nos regards et remettre en question ce qui sont souvent des préjugés. Mais oui, nous sommes essentiellement porteurs de préjugés, tous. Merci beaucoup, Claire, de t'être Et de prêtée à rien. cet exercice, de m'avoir accordé à nouveau de ton temps après cette interview qui avait duré 1h20, je crois que c'était la plus longue. Oui, 1h20, j'ai vu ça. Il y en a qui écoutent jusqu'au bout, hein, en tout cas moi. J'avais pris beaucoup de plaisir et prends à nouveau beaucoup de plaisir, c'est le sujet passionnant. Et donc je vais rediffuser ça sur le site du podcast et aux abonnés. Et puis bon, à bientôt, je dis à Eh bientôt. bien, écoute, merci beaucoup, Julien. Merci pour ton boulot. Et bonne journée à tous. Merci, bonne Allez, journée. ciao.